à tous et à toutes. Alors, les 57, j'ai quelques petites minutes d'avance, mais... 58. 58. Et dès que vous arrivez, vous me faites un petit coucou. Aujourd'hui, petit live avec ma fille, elle avait envie de vous faire un petit coucou. Le live est assez sympa pour les enfants. Donc, dès que vous arrivez, vous me faites un petit coucou pour me dire que vous êtes bien là. Assieds-toi si tu veux. Hello, hello. Prams. Comment ça va tout le monde? Léna, les gens te disent bonjour. Bonjour. Est-ce que tout le monde va bien? Alors, en fait, voilà, je vous explique. Ma fille avec moi, pour ce live, normalement, elle ne fait pas les lives avec moi le jeudi ni le lundi. Si elle en fait un avec moi, c'est hors ces jours-là. Bon, on est quand même pendant les vacances scolaires, plus le confinement, plus plein de choses. Et surtout, pour lui dire la vérité, je vais la laisser salir les doigts, elle. Donc voilà, après 1000 tests, j'avais les doigts super, ça, j'avais pas utilisé de gants. Donc c'est Mademoiselle qui va vous faire le live, vous allez voir, ça va être très drôle. Bonjour à toutes celles qui arrivent. Je n'ai pas de son. Vous m'entendez ou pas? Parce que Valérie dit qu'elle n'a pas de son. Est-ce que quelqu'un peut me confirmer si vous nous entendez? Alors. C'est qui a fait TTT? C'est mon téléphone? Oui. Ok. Il y a des pouces, donc je suppose que c'est bon. Ah, super. Oui. Ah oui, on entend bien. Ok, d'accord. Top, top, top. Alors, déjà, je vais pouvoir tourner le téléphone, vous montrer les quelques petites cartes que j'ai faites ce matin. Parce qu'en fait, je vous annonçais le live, mais j'avais encore rien fait. C'est juste pour vous montrer les idées différentes. Ok. Et puis, comme voilà, que je vous ai expliqué, hein, comme on salit beaucoup les doigts, si on n'utilise pas de gants, ce sera Mademoiselle qui va le faire. Mais je suis sûre que je vais... Du coup, je vais me salir les doigts. Ah, ouais, je suis désolée. C'est pour ça que j'ai accepté, en fait. Bon. Non, je rigole. Bon, allez, on tourne le téléphone. Pour... On tourne le téléphone et on va pouvoir commencer. Alors, attends. Hop. Je vais tourner ma puce. Et puis, d'ailleurs... Alors, attends, ma puce, je m'installe d'abord. Hop, je pense que... Est-ce que vous pouvez me dire si au niveau de la lumière, c'est bon? Bonjour, bonjour. Alors. Alors, je voulais juste vous présenter quelque chose. Alors, ma maman, elle s'appelle Nadia Lansereau, je pense que vous la connaissez. Elle est démonstratrice indépendante chez Stampin' Up. Et vous pouvez la contacter, voilà. Voilà, donc très bien présentation. oui, c'est ça, exactement. Pour une fois, elle va avoir le droit de faire de la patrouille. Donc voilà, ma fille a eu l'aimabilité de présenter, ça l'amusait beaucoup. Maintenant, je pense que je vais aussi la laisser présenter les cartes. En fait, je suis en mode super flemme, je ne veux pas travailler aujourd'hui. Tiens, à toi. Alors, il y a une petite carte comme ça, très simple, où c'est écrit « Nous sommes inséparables ». Inséparables. Qui vient du set de tampons « Libre comme un oiseau ». Voilà. Ensuite, nous avons une autre petite carte très mignonne, avec alors, une petite libellule. Vous avez sur cette carte-là le fond de page travaillé, puis j'ai utilisé, après avoir travaillé le fond de page comme on va le faire tout de suite, j'ai utilisé les brosses. Ensuite, je suis venue faire de l'embossage à blanc. Donc, si vous voulez qu'on vous montre aussi pour ça, on vous montrera. Parce que là, on impro total, on ne sait pas ce qu'on va faire comme carte. Donc, si vous en avez une qui vous fait de l'œil, n'hésitez pas. Tiens. Donc, voilà, avec une autre petite libellule. Très mignonne. Le tiens, fond, fait comme ça. Voilà. Le fond est bien fait, voilà. Parce que c'est maman qui l'a fait. C'est trop mignonne. Donc, voilà. Encore libellule. Ensuite, une autre avec des petits oiseaux. Et elle s'ouvre. Vous pouvez écrire un petit message dedans, l'envoyer à vos amis, à vos proches, envoyer par la poste. Voilà, avec des petits oiseaux. Et la dernière, c'est avec un petit oiseau. Et elle a refait pareil que sur la carte avec les libellules ici.
elle a embossé, embossé à chaud. Voilà. Comme donc ici, j'ai fait voilà, l'embossage à chaud après avoir fait le fond de page. Non, je vous promets qu'on n'a pas du tout répété. Non, mais c'est pas une blague. On n'a rien répété du tout. Elle s'est improvisée à la dernière minute. Maman, est-ce que je peux faire le live avec moi? Ma copine vient, mais pas tout de suite. Ok, pas de souci. Donc, oui, c'est Patricia. Patricia, je répondrai à ton texto tout à l'heure parce que j'ai bien vu à l'instant, mais je démarrais le live, donc j'ai eu un peu de retard sur mes messages. Et bien sûr, les enfants peuvent faire ça parce que c'est très facile, voilà. Mais ça tâche les doigts quand même. Voilà, alors. Mais c'est pas grave. Donc, Nadia, on va la mettre de côté, hein. Oust. Ok, comme ça on s'allie pas. Ok. Alors, si vous avez des questions, on reste à l'écoute. Donc, Laïna va faire le live. Elle va apprendre. Ici. Un bloc. Alors, juste, je ne connais, je ne sais pas ce qu'elle a fait, je ne sais pas comment elle a fait, je ne sais pas les mesures, je ne sais pas comment elle a fait ses tamponnages, voilà, et tout. Donc, ça va être improvisé pour moi, je ne sais pas du tout comment elle a fait, je vais suivre les règles de maman. Maman va tout me dire et je vais tout faire. Voilà. Donc, elle va prendre ici, bah, tu prends le bloc, attends, on va le nettoyer un coup parce qu'il y a encore de... Oui, sinon ça va être... Tu le poses ? Je le pose là. Oui, tu le poses à côté comme ça, elles vont le voir. Ici, ça a l'air bien. Tu bloques. Voilà. On va prendre de la mousse à raser. Tu vas vider. Tu vas me raser? Non, je ne vais pas me raser. Je fais dessus? Oui, sur le bloc seulement. On n'en a plus? Ah non. Tiens. C'est pas grave. On va prendre. Alors, si vous n'avez pas de mousse à raser. Attends, stop, arrête. Ça ne sert à rien là. Je vais prendre du gel. Voilà. Oh, il est beau, elle est belle. Alors, c'est du gel, hein, c'est pas de la mousse à raser, mais quand on le mélange, ça devient de la mousse, donc il n'y a pas de souci. Tu peux mélanger pour que ça devienne de la mousse, mais après, voilà. Attention, non, je veux pas que ça déborde. Attends. Juste, on va. J'avais dit que c'est cracra, mais. Ça commence en catastrophe. Donc, j'en ai mis un peu trop là. D'accord, c'est pas très grave. Ce que tu vas faire, Laïna, c'est que tu vas venir jeter ici quelques gouttes d'encre. Ouais. Bleu. Alors tu dis les noms. Alors pointe de Pacifique. Pointe de Pacifique. J'allais le dire. J'en mets combien des gouttes? Alors tu mets une goutte au centre. Voilà, t'en mets une par là par exemple. Voilà, pas trop. Voilà, une comme ça, une ici et tu changes de couleur. Et t'en, voilà. C'est bon, stop. Voilà. Après, tu vas prendre. Je peux dire la couleur? Ouais, tu prends ça. Ça, c'est du. Ça, c'est du tarte au potiron. Vas-y, je vais en mettre un petit peu. Deux, trois petites gouttes par là. J'en ai mis trois du tarte de potiron. Ensuite, je vais prendre la couleur. Carré moulu. Carré moulu. Là, tu vas en mettre. Voilà. Oh, t'en as trop mis, c'est pas grave. Ouais, c'est pas grave. Hop. Ouais. Bon, elle a compris qu'il fallait les espacer, ouais. En mettre un peu partout. Moi, j'en mettrai une en plus ici, ouais. Voilà. J'ai pas eu besoin de lui expliquer. Elle a tout de suite compris ce qu'il fallait faire. Hein. Donc voilà. Ok, pas de soucis, Nathalie. Après, il faut qu'elle prenne le pic. Prends le pic, Laïna. Le pic. Ou un cure-dent ou ce que vous avez sous la main. Le petit pic. Alors, il faut mélanger, mais attention. Ah oui, je sais, on va faire des... Par exemple, là, il y a une goutte et on va faire des petites comme ça. Pour voilà. S'arrêter. Si tu mélanges trop, ça fait... Cacamou. Vas-y. Bon, elle s'amuse, elle mélange. Donc, tu peux y aller hein, quand même, franchement. C'est Laïna, il ne faut pas que ça reste taché comme ça, en fait. Il faut mélanger. Tu peux faire des zigzags comme ça. Bon, après, c'est sa carte, hein, voilà. Mais pas trop. Regarde. Ça fait caca. Quand vous mélangez, vous venez juste vous tirer des traits comme ça, en fait. C'est bon, on dirait comme des gâteaux. Là, voilà. Et vous pouvez faire des zigzags comme ça, mais après, évitant de trop mélanger pour éviter que... Ça fait une couleur très voilà. Bizarre. Et puis, on va pouvoir commencer. Laïna, ce que tu vas faire, c'est que tu vas prendre un bout de papier
Je sais pas si ça se voit à la caméra, mais c'est joli. Après. Est-ce que vous voyez déjà? Oui. Je sais pas. Tu vas poser ton papier comme ça dessus, tu vas le retirer. Et ça va faire... Non, et tu vas le poser là, et avec la spatule qui est là. Ce qui est très important, mais sans trop bouger. Attends, c'était pas cette spatule qui était bien, c'était une autre. Vas-y, commence à faire ça. Alors là, je prends mon papier, je le retourne et je viens le poser dessus et retirer la carte. Voilà, c'est pas la peine de trop appuyer. Vas-y, retire. Retourne-la, pose-la sur ton plan. Et avec la spatule, tu vas venir attraper et tu vas racler. Mais d'un coup sec, vas-y. J'appuie. Tu appuies sur ton papier pour le tenir. Il faut bien appuyer, il faut pas... Voilà. Il faut bien que j'appuie fort. Ouais, ouais. Et d'un coup, tu essaies de tout retirer. Comme ça? Presque. C'est mal fait. Non, c'est pas que c'est mal fait. Oh non, j'ai bousillé ma carte. T'as pas bousillé ta carte. Mais en fait, voilà, l'idée, c'est... Vous n'aurez jamais un fond pareil. Oui, coucou, Odette. On peut réessayer derrière. Ben oui, tu peux refaire d'autres. Je vais refaire, je pense. Donc voilà, ça, son premier essai, mais c'est très joli. Hein. On peut en faire. Là, j'aime beaucoup cette petite, en fait, cette petite forme. Bon, là, je vais essayer de mieux le faire. Vas-y. Appuie. Voilà. Et essaie de retirer. Donc, vous pouvez le faire avec les enfants. On retourne. Ça fait trop c'est beau. Très beau. C'est très, très beau. Vas-y, pose. J'ai une flamme. Voilà. Et c'est magnifique. Voilà. J'ai peur de rater ma carte. Mais c'est pas grave, vas-y, tu vas y arriver. Il y a toujours des échelles par contre. Appuie fort vers le papier. Oui, vas-y, vas-y, vas-y. Non, tu reviens pas dessus en fait. L'erreur, c'est de revenir dessus. Il ne faut pas revenir dessus. Mais non. Et après, quand on a le papier. Mais maman va vous montrer pour faire. Ouais. Voilà. Ah, mais ta copine est arrivée ou pas, non? Alors. Le seul problème, c'est que voilà, finalement, je me tâche les doigts, hein, parce que ma minette... Moi aussi. Tiens, donne-moi un papier brouillon. Papier brouillon. Hop, on vient mettre comme ça, on retire, on a la forme. On prend la spatule, on se tient comme ça. Ben oui, vous rigolez, parce que là, je suis obligée. Et voilà, en fait, il faut bien... Il faut aller doucement. Il faut aller doucement, mais bien appuyer, en fait. Ah, bah, c'est trop beau. C'est trop beau. Mais j'aime là, tu vois, là, j'essuie comme ça avant d'enlever le reste. Mais comme j'ai de la couleur, je préfère passer une lingette. Hop. Et j'aimerais faire un dernier essai. Et Léna veut faire un... T'as compris. Oui. Alors, hop. Mais ça fait magnifique le centre. Donc, voici. Ça fait joli, hein. Ça fait magnifique. Après, ça dépend des couleurs que vous mettez. Vas-y, tu peux prendre. Par contre, attends, je suis ici parce que là, oui. Du coup, il y en a partout. J'ai les mains, voilà, j'ai pas mis de gants, tant pis pour moi. J'aurais dû lui montrer avant, en fait. Oui, donc là, j'ai ma petite carte. Je viens la retourner. Je la mets sur la mousse. J'appuie pas trop fort. Je soulève. J'en ai ici. C'est pas grave. Vas-y, elle a l'air bien la tienne. Là. Attends, je te suis. Ouais, elle a l'air bien. Ah bon. Vas-y. Attrape bien. Et non. En fait, voilà. Ça, c'est bien comme ça. Et tu racles. Ah. Vas-y. Comme ça? Oui, et tu racles. Essaye d'être tout droite. Voilà, c'est bien. Vas-y, 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 vas-y. Vas-y, vas-y. Ça, les enfants vont s'éclater avec. Ah, j'en sais pas. Ouais, bah oui, c'est dur à racler. Mais c'est pas grave. Hop, regarde. C'est beau? C'est très beau. C'est parce que ça fait autre chose, mais c'est très beau. Donc, autre chose aussi. Si tu... Là, par exemple, celle-là, elle est un peu gâtée. Hein. Oui. Donc, celle-là, elle est fichue. Donc, celle-là, je vais la retourner. Je vais faire un truc. Donc, ici, dès qu'on est comme ça, bonjour, pensez-vous qu'avec la peinture acrylique, cela fonctionne? Je n'ai pas essayé. Je n'en ai pas pour essayer, mais je pense que oui. On peut le faire du bas jusqu'au haut aussi. Voilà. Une fois que vous récupérez ça comme ça, là... L'idée, elle est où la deuxième carte? Ce qui reste ici, oui. Ça peut faire... Attends, je vais essayer quand même. Ce qui reste ici, on peut très bien venir faire un autre fond de page en étalant comme ça et en raclant par la suite. Donc, là, ça fait un petit peu... Un dégradé, en fait. Oui. Voilà, c'est ce que j'ai fait. En fait, là, j'ai l'impression, regardez, ça fait la mer et un sable orange à un coucher de soleil. Voilà. Alors, on a des... J'en ai fait plusieurs. Quand vous avez... Celle-là, elle est jolie.
Celle-là, elle est magnifique. Celle-là, je l'adore. Quand vous avez des papiers, par exemple, comme ça, vous dites vous avez loupé, eh ben c'est pas du tout un problème parce que vous allez prendre une découpe et vous allez pouvoir découper ce dont vous avez besoin, comme je l'ai fait sur une des cartes ici, Léna. T'as les mains sales ou pas? Non. Et ma fille, elle n'a pas les mains sales, j'hallucine. Là, sur le cercle. Donc, on récupère pour faire des fagnons, des machins, des bidules. Est-ce qu'on a de la peinture acrylique? Alors, on va faire plaisir aux gens. Hein. Aujourd'hui, on va... Plaisir, wow. Le fait plaisir, on peut pas. Est-ce que c'est de la peinture? Non, c'est ça. Mais est-ce qu'on en a? On va mettre un peu de bleu, maintenant. Bon, j'ai ça. D'accord, je vais. C'est de la je vais essayer acrylique. Avec la peinture acrylique parce qu'on me l'a demandé. Et ça que... donne pas. Ça je sais pas. Je sais pas du tout ce que ça va donner. Bon, alors on va mettre le bleu. On va mettre le bleu. C'est... Bon, attends, pousse-toi parce que là finalement je vais sur de la peinture. Hein. Ça c'est pas du tout ce que je devais faire à la base. Oui mais. Allez, hop. Bon, je l'ai mal. Stop, Léna. Je peux mettre le bleu. Stop. Non, on peut pas. Le pic, je vais juste tenter un truc pour notre ami. Hop. Ben, je pense que oui, voilà. Si ça marche. Hein. Ça peut marcher. Ça marche. Ça peut faire... Je vais essayer sur une chute. Ça peut faire du très joli si on s'applique bien. Je cherche. Ah bah, là, c'est quelque chose quand même. Non. Ça a une vie. Il me faut juste une chute de papier. Bon, c'est pas grave, on va dire que c'est une chute de papier. Hein. C'est juste pour voir. Voilà. Oui, je pense que ça va marcher. Donc, ça marche aussi avec... voilà, il ne faut pas se mentir. Il y a des choses qui... Oh, c'est beau. C'est beau. Le bleu, là, il est beau. Hop. C'est beau. Mais celle-là, elle est magnifique quand même. Celle que maman a fait. Donc, voilà. Ça fait de vraiment... Pardon. Ça fait vraiment de jolis fonds. Alors, ce que vous pouvez faire maintenant, une fois qu'on a fait cette carte-là, on va pousser tout ce bazar. Hop. Parce que le bazar, pour travailler, c'est pas... C'est parce qu'il y a de mieux. Hop, je mets ça de côté pour pouvoir tout nettoyer. Donc, vous avez vu la technique de la mousse à raser. Je ne sais pas. Si vous n'avez pas de mousse à raser, ce n'est pas grave. Si vous utilisez une lingette comme ça pour essuyer un peu le surplus, assurez-vous qu'elle ne soit pas trop humide, sinon les couleurs vont se fondre. Donc, voilà, là, c'est un petit live comme ça. Allez, on va faire un petit embossage pour vous montrer. Donc, tu veux faire laquelle, Léna? Moi, je veux faire celle-là. Ok, tu vas embosser celle-là. Alors, attends. Alors, vous pouvez l'admirer en attendant. Hop. Tiens, tu sais, on va changer, on va utiliser la fleur là. Est-ce que tout le monde arrive à suivre? Est-ce que tout le monde arrive à suivre? Ah, oh, merde. Tiens, pousse-toi. Tu vas d'abord... Bah oui, j'avais sous la main, donc j'ai regardé, il n'y a pas de souci. C'est pas parce que je suis des mousses en pin-up que j'utiliserai pas des tests comme ça pour les personnes qui me demandent. Tiens, tu peux brancher ça derrière? Alors, on va tout simplement là embosser. Qu'est-ce que tu me disais sur la carte, Léna? Elle était jolie derrière là. Ah, tu préfères quel côté? Celui-là. Celui-là? Tu préfères celui-là? Oui. Bah écoute, tu travailleras celui-là. Donc, vers sa marque. Alors, pour faire le fond de page, je me suis, mais j'ai un bug et pas vu le résultat de la peinture. C'est ça le résultat de la peinture. C'est lequel? C'est celui-là. Ma fille dit que c'est celui-là. C'est parce que tu te souviens que... Oui, il y avait une tache ici déjà, c'était le papier brouillon, donc c'est celui-là. Et c'est la même. En fait, ça va donner aussi. Ça va donner... quel que soit ce qu'on va utiliser en tant que c'est liquide et que ça se mélange, hein, y a pas de raison. On va prendre émotion feu et feuillet. On va faire un petit feuillage dessus. Hop, ça on remet là. Hop, je me mets ici sur le brouillon. Petit bloc. Donc il vous faudra tout simplement de la mousse à raser, des encres liquides ou de la peinture ou ce que vous voulez. Là on est plus dans un live très technique avec ce qu'on a sous la main. Ça, c'est pour vous faire patienter quelques trucs. T'arrives à brancher ma puce? Oui. Ok. Ça va. Bah, branche-le, j'espère qu'il ne s'est pas cassé. J'en ai déjà cassé un. Ah bon? Ouais. Ça va.
Bon alors. L'autre côté, il est plus beau. Tu veux l'autre côté? Ma fille, elle préfère ce côté, donc elle va travailler sur ce côté-là. On va mettre. Elle est où la Versa marque? On marque la voix. Ok, attends. Ok, Nena, tu vas tamponner ton encre là. Alors. Ton tampon encre, tu vas mettre. Vas-y. Non, dans l'autre sens. C'est ça que tu prends pour mettre. Ah, on fait des Vas-y. bisous. On fait des bisous, vas-y. Les petits bisous d'amoureux. Mais je préfère que tu le poses à plat, celui-là. Oui. Voilà. Et tu appuies pas fort, t'appuies pas fort. Pour ne pas qu'il y en ait sur les contours. Donc on tapote comme ça. Vas-y. On tapote comme maman a dit. Si on va sur le contour, ça va déborder, ça va pas faire Voilà. très joli. Et tu vas venir tamponner un petit peu à moitié là où tu as envie. Essaie de faire un truc sympa. Oui, par là, c'est bien. Vas-y, appuie. Voilà. Moi, je serais toi, j'en remettrai une dans ce sens-là. Pour le moment, tu la vois pas, c'est normal. T'en mets une autre dans ce sens-là? Je remets. Oui, tu remets de l'encre. Je remets un petit peu. On fait toujours des bisous. Voilà. Est-ce qu'au lieu de poser le papier sur la mousse, on peut pas. Ah ben écoute, j'ai pas essayé, mais j'ai pas nettoyé. Donc je veux bien le faire. Je veux bien essayer. Donc voilà le Attends. résultat. Après, tu verses, tu attrapes comme ça. Tu verses de la poudre dessus pour récupérer après. Tu sais Ah comment on fait. oui! Vas-y. Est-ce Un peu que. de poudre. Je vais essayer, Virginie, pour ce que tu viens de dire là. Je vais prendre un tampon pendant que ma fille fait ça. Je vais faire mon test derrière. Léna, tu pourras te mettre de côté et chauffer. S'il te plaît. Je Voilà. Là, tu vas vois. le chauffer. Pousse-toi un peu et chauffe-le. Et avant, récupère-moi la poudre. S'il te plaît. Mets-la dedans. Doucement, doucement, ça risque de tomber. Vas-y, ma grande. On récupère toute la poudre. On ne gaspille pas. Voilà, tu fermes ça. Attention, ton projet de ce côté. Tu chauffes ça et moi je fais un test qu'on vient de me demander. Ça donne envie de manger. Donc c'est ce que tu veux que je fasse. Écoute, Chauffe ça pendant comme ça? combien de Moi temps? je suis pas sûre. Est-ce que c'était ça la question? Ah, je suis pas sûre. Franchement, je sais pas. Si j'ai bien compris, c'est ce que tu veux que je fasse. Mais maintenant ça fait caca mou, hein. Ah ben non, ça va pas du tout en fait. Moi je suis pas convaincue, hein. Non. C'est mal parti. Ouais, là, non, le test, non, je pense que on l'aurait fait avant moi, sinon. Par contre, là où je disais, ce qui peut être vraiment sympa, c'est de récupérer des fois là, de venir l'étaler, comme j'ai fait tout à l'heure, complètement dessus. Là, ça peut être sympa, étaler comme ça, enlever le surplus et venir racler. Là, ça fait vraiment le dégradé. Bon, là, je me suis pas tenue, mais. Là, ça peut être sympa aussi pour faire un dégradé, un fond de page un peu comme ici. C'est bon Ok? ça? Oui, fais voir. Non, il faut que tu sois blanc, tu vas voir. Bon, je remets mes bêtises derrière. Du coup, je me suis fait avoir parce que ma fille, elle a les doigts plus propres que moi. Voilà, elle finit sa petite carte et puis on va vous laisser. Parce qu'elle avait vraiment envie de faire une petite carte. Tu l'as mis la mamie. Ça chauffe les doigts. Hop. Voilà, tu vois, là ça devient blanc. Allez, mets-toi là si tu veux, mais pas trop ça comme ça. Comme ça. Vas-y. Chauffe-le, chauffe-le. Rapproche-le là pour le chauffer. Donne, donne, donne. Je lui finis parce que ça brûle les doigts. Ah, c'est beau. Je vois rien en fait.
Donc voilà, elle a embossé ici à blanc. Ça fait très joli. Et sur du papier calque style velin, est-ce que ça fonctionnerait? Bah, les désirs sont des ordres, c'est ça qu'on dit? Les désirs, Oui. hein? Bah, sur ce, je m'en vais chercher du papier velin, mesdames. Tes désirs sont des ordres. Vos désirs sont des ordres. Allez, si toutefois il m'en reste un petit bout. Pardon, maman. J'ai montré les fleurs de plus près. T'as montré les fleurs de plus près. Les feuilles, pas les fleurs. Les feuilles de plus près. Je le débranche, ça? Alors, papier velin de chez Stampin' Up, catalogue annuel. Non, je rigole. Je le débranche? Maman, je le débranche pas? Tu peux le débrancher. Alors, ce que je vais faire, c'est que je reprends mon agrafeur. Non, mais vous n'êtes pas sympa, les filles, parce que j'en ai marre. Regardez. J'ai pas anticipé. Et je ne sais pas dire non. Non, je rigole. C'est sympa. Tu viens de dire non. Je sais pas dire non, elle m'a dit tu viens de dire non. Voilà. J'en ai partout. Non, je pense pas. Ah non. Non, non, je pense pas. Je vais essayer d'en mettre un peu plus pour voir, mais. Ah, après j'étais sur de la peinture, mais. Bon, c'est de la gadoue partout là. C'est de la grosse gadoue. Ouais, mais je veux pas en fait salir là. Une Alors, je catastrophe. sais pas trop ce que vous en pensez, à savoir que je crois que c'est la peinture ça, hein, je suis pas sûre, mais hein, il faudra le sécher, je sais pas. Mais après, ça peut donner Sur quelque le chose. papier de riz, oui. C'est quoi le papier de riz? Sur le Ça tient à papier. manger. C'est quoi le papier? Ouais, non, ouais, je n'adhère pas non plus. Mais c'est quoi le papier de riz? Parce que je connais pas les filles. Moi aussi, vous m'apprenez un truc aujourd'hui. Bon. De toutes les manières. Nous avons prévu cet atelier-là. Donc, on a fait quelques petits écarts pendant ce live. Parce que c'est le jeu aussi des lives. Quand ils sont pas sur des projets très sérieux, genre album, carte avec un pliage sur les techniques, on peut déconner un petit peu et passer sur autre chose. Et oui, mais alors peut-être qu'il faut sécher. C'est vrai que là, je replie, je ferai des tests meilleurs. Parce que, comme le papier de soie. C'est comme du papier de soie? Ok. Bah, je ferai des tests. Sur le papier vélin, là, ça n'a pas accroché, mais je ferai des tests. Léna, tu finis ta petite carte ou pas? Tu mets un petit mot au milieu, une petite. Allez, Laina finit sa Alors, petite carte, comme ça, par la suite, si je veux vous donner une petite technique là, la perforatrice. Tiens, tu vas mettre là. Alors, nous avons plein, plein de petits. Tu peux me l'ouvrir. En fait, j'ai très, très mal au poignet droit. J'ai très, très mal là, depuis 10 jours. parce Et qu'on a fait le ménage. parce qu'on a fait le ménage, on ne fait pas le ménage d'habitude. Et je sais pas, j'ai très, très mal. Alors, après, ici, on va venir perforer. C'est beau. Voilà. Tiens, vas-y comme ça. Parce Comme que ça. c'est comme ça. Est-ce que tout rentre comme ça? Attends. Mais je peux pas appuyer. J'ai pas assez. Aïe. C'est Voilà. bon. Donc, ça fait très C'est joli. pour quelqu'un. Bon, je sais pas si tu veux la mettre là. Oui. Et c'est pas ce que je voulais montrer en fait. Donc Moi, en là, on a fait, perforé. Laina a je... fini sa petite carte, tranquillou, tranquillou. Moi, je vais pas mettre Ne la la mets grosse pas. libellule. Ce Je que je vais voulais vous mettre. montrer, c'est que quand vous tamponnez la libellule, vous n'avez pas le tampon en petit. D'accord? Mais quand vous allez sur une grande libellule, vous pouvez découper. C'est ce que je cherchais, je pensais qu'il m'en restait. Hein? Je le colle avec quoi? Ah bah tiens, allez là, la colle, chérie. La libellule sur la perforatrice, donc même sur celle d'imprimé qui est là, vous la redécoupez comme ça, vous l'avez ici. Mais je vais vous en faire une pour vous montrer parce que ça, c'est sympa. Je ne l'avais Alors, pas précisé la dernière fois. ça c'est un coup que je me mets partout de la colle. Vas-y, essaie de te débrouiller pour ta.
Je peux en mettre un petit peu ici après mettre sur ma libellule. Oui, vas-y. Alors, je vais juste la tamponner en noir pour vous montrer parce que j'ai zappé de vous le dire au dernier live. Donc là, si on vient découper la grande, on sait qu'elle est parfaite. C'est que j'ai pas suivi là. Je vois qu'il y a des commentaires que j'ai pas vus. Je vous relirai après. Donc là, si vous coupez la grande, vous voyez qu'elle est parfaite. Mais la petite, en fait, il faut mettre la tête de la petite au bout. Non, je ne sais pas si vous vous rendez compte comme ça. Pour avoir vraiment la petite tamponnée, finalement. C'était juste ça l'info que je voulais vous dire et que je ne vous avais pas dit la dernière fois. Je pense que beaucoup doivent le savoir quand même. Hein. Hop. Okay. Ok, je donne un coup de main à ma fille pour finir sa petite carte. Ah, il y en a peut-être plus là-dessus. Ah si, regarde. Tiens. Tu mets là, un peu, et tu travailles ce qu'il y a là. Vas-y. C'est super, ça. Voilà, voilà. J'espère que... C'est super. Ah, vous aimez? C'est super. Au canal carpien, papier. Ah, je sais pas si c'est le canal carpien. Écoute, je sais pas, j'ai super mal. C'est ce que tout le monde pense, mais est-ce que c'est. Il n'y a pas d'autre. J'ai pas d'autres signes et j'y connais rien en fait. Et j'ai pas de médecin. Donc, je l'ai collé sur la feuille. Elle a collé sur la feuille. C'est joli. Tu veux mettre un fond derrière ou pas? Un petit mot? Oui, j'aimerais mettre un deux petits mots. Très mignon. Ah bah. Eh bien, il est trop grand. Amour et rire. À n'en plus finir. Allez, ma puce. C'est quoi ? Ta gentillesse me donne des ailes. Oh, oui ! Vas-y. C'est trop bien. Parce que là, ta copine va pas tarder à arriver. Hop. Oui. Vas-y. Tu fais ta... hop, l'encre est là. Hop. Je te prépare un bout de papier. Là, c'est le tampon qui fait des bisous. Ah, c'est le tampon qui fait des bisous. Alors. Donc, vous avez vu, hein, vous avez une nouvelle démonstratrice. Ça se voit pas très bien. Ça se voit pas très bien, c'est pas grave. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas le tamponner là, regarde. Ma puce, tu vas le tamponner sur un bout de papier. Et on finira la déco après. Là, l'idée, c'était de leur montrer le fond de page, non? Oui. Parce que ça, on a un cercle qu'on peut venir coller ici. Oui, il est beau. Hein. Et après, vas-y, débrouille-toi. Je te prépare un petit papier à mettre derrière. Voilà. Donc, ta gentillesse me donne des ailes. Super. Elles ont vu. Donc, je te le découpe. Ça, fais voir si ça suffira derrière. Attends, je te le découpe et comme ça, tu vas la finir. D'accord? D'accord. Donc, voilà. Il y a un truc qui est super sympa à faire aussi, qui serait sympa à faire avec ma fille. C'est une technique avec une ficelle. Tu sais, Leïna, la ficelle que tu mets comme ça, là, que tu enroules. Pour faire des fleurs, là. Ouais. Oui. Ça, on pourrait leur faire ça, je sais pas. Samedi. Samedi. Bon, Leïna a dit à vous proposer un truc samedi. Vous voulez à quelle heure samedi pour Leïna, les filles? Ça va, il sera assez rapide parce qu'on va juste vous montrer une technique. Ou dimanche. Le samedi. Samedi. Ou dimanche. Tu fais quel jour? Moi, je sais pas. Samedi ou dimanche? Ça sera la liste des prochaines courses. Hein. Allez, on finit ça. Samedi ou dimanche, les filles? Vous voulez un live avec Leïna samedi ou dimanche pour vous montrer comment faire une fleur avec une ficelle, des encres ou de la peinture? Ou même sur un gâteau, des fois, ils le font. Sur un gâteau. Voilà. Tu peux coller ça ici et ta carte est prête. Donc voici la carte de Leïna. Vas-y, colle. Voilà, tu colles ça. Moi, je vais te coller ça aussi pour t'avancer, d'accord? Oui. Bah, avec plaisir.
Samedi, d'accord. Samedi, vous voulez... À quelle heure, samedi, les filles? Elle va vous montrer une petite technique, samedi, Laïna. 18h. Elle a décidé que c'était samedi à 18h. J'espère que tout le monde est libre samedi à 18h. Soit 18h, ou soit 14h. Leur laisse pas trop le choix aussi, sinon... Non, je rigole. Alors, 18h ou 14h pour Laïna qui demande. Samedi, le prochain rendez-vous, vous voulez qu'il soit à 18h ou à 14h? Un samedi, à l'heure que ça vous dit. 18h. Bah ouais, moi ça me paraît bien aussi 18h. Samedi 18h. 2 18h. 3 18h. Vas-y. Hop. N'importe. Bon. Bah 18h. Alors samedi à 18h, vous avez rendez-vous avec... 18h. En fait, là du coup, je vais pas dire avec moi parce que là... 18h. Tout le temps. Voilà. Bon, samedi 18h, ce sera aussi ce genre de technique, hein, patouille, on va salir les mains et tout et tout et tout. Mais on ne fera pas un truc complet, c'est juste pour vous montrer une technique, hein, d'accord? Voici la carte que Laïna a faite, voilà. Ok, on va se tourner, on va retourner pour leur dire au revoir et à samedi, dis-toi ma puce, à samedi 18h, parce que moi du coup, je me retrouve avec plein de choses à nettoyer. Bah, jolie carte. Très mignonne. Donc, ouais, tu te remets une alerte samedi à 18h, hein, parce qu'attention, le live, c'est ma fille qui va le faire, hein. Comme là. Là, je l'ai aidé un peu parce qu'on a fini la technique et que vous m'avez posé des questions, mais sur celui de 18h, moi, je gère pas. Hein. Et, voilà. C'était un bon petit moment partagé avec vous. Fais de gros bisous à samedi. À samedi à 18h. Voilà. Du coup, ouais, tu peux 3, couper. 2, 1, ciao.